Master Plan, Gata Patlah Matahan, Ada Gasa Plan, Master Katras Plan. Itti Dee, Sisti Flee, Nitti Pitti Himi Dee Heed, Idi Kisi Flee, Missi Kisi Stree. Il est grand temps pour le grand rassemblement, le 21e. Le festival va bientôt commencer. Êtes-vous prêts? Oui! Très bien. Vous avez 5 minutes. 5 minutes de préparatif, exercice de réchauffement. Je reviens. À tout de suite.
Université du Nord-Est, Yakoutsk, Russie. Du conseil municipal d'Arad, le représentant du maire d'Arad qui ça c'est un problème extraordinaire. Tout d'abord, je devais prendre le, enfiler le t-shirt. Je vais seulement faire la petite droite. Et vous vous mettez ici au centre. Bonjour à tous. Vous êtes bienvenus en Arabe. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour cette édition de Théâtre francophone. Je vous félicite, Papa Didi. Merci. Pour continuer à charger cette tradition. Et comme vous, vous sentez, je ne parle pas français bien et je ferme ici. Très bien. Bonne chance. Merci. Une personne dont j'admire beaucoup la patience. Il a attendu, je crois, 3 ans pour pouvoir venir aujourd'hui ici. Et je suis très content d'annoncer la présence aujourd'hui ici de M. Jacques Bortuzzo, attaché de coopération linguistique et éducative, représentant de l'ambassade de France à Bucarest. Enfin, sur scène, s'il vous plaît. Donc je rétribue, je suis juste en basse. Merci. Voilà. Donc merci à vous d'avoir eu la patience de m'attendre. Donc ça ne fait pas tout à fait 3 ans, enfin, ça fait 2 ans. Comme le temps fut long. Bon, après le discours de M. Léguillard, que je vous ai si bien vu, que dire d'autre. Alors, je ne sais pas si M. Non, monsieur le maire a envoyé son représentant. Donc, le conseiller municipal, monsieur Gladval, qui était là, c'était le représentant que vous pouvez vous adresser. Alors, monsieur le conseiller municipal, cher monsieur, cher membre de l'association Amifa, c'est impressionnant. Mesdames et messieurs, chers amis, alors, je crois que c'est la première fois que je fais un discours dans ce cas. Alors, en tant qu'attaché de coopération éducative pour l'ambassade de France en Roumanie et responsable du pôle langue française et francophonie de l'Institut français de Roumanie, je suis très heureux et très fier d'être parmi vous. C'est vrai que j'ai attendu longtemps, mais enfin, ça se réalise. Alors, le service de coopération de l'ambassade de France et l'Institut français sont des partenaires indéfectibles de ce festival de théâtre lycéen à Villefranc qui arrive à sa 21e édition. Donc même quand on n'était pas présent physiquement, il y a le soutien, notre soutien vous était acquis. Depuis 1993 et au cours de ces 21 années de festival, ce festival est devenu une référence dans le domaine du théâtre lycéen francophone et témoigne aussi de la vivacité de la francophonie en Roumanie. Je tiens donc à féliciter très chaleureusement M. Titulescu,
Alors, Monsieur Dilescu, c'est aussi Papa Didi pour les intimes. Je crois que c'est écrit sur le t-shirt. Oui. Alors, si je peux me permettre de dire Papa Didi. Merci. Je pense que Papa Didi ne me contredira pas. C'est un formidable travail qui a été accompli au cours de ces 21 éditions. C'est aussi la réussite d'une équipe, d'une famille qui a en commun l'amour du théâtre et de la langue française comme porteuse d'émotions. Au regard du programme de cette année, il est très impressionnant de voir des troupes de si nombreux pays. Alors si je n'oublie personne, la Hongrie, l'Autriche, la Russie, la Serbie, l'Espagne, l'Italie, le Québec, la France évidemment, et la Roumanie, bien sûr. La richesse de ce programme, on l'a vu tout à l'heure parce qu'on a été tous impressionnés par le nombre de formateurs, d'animateurs pour ce festival. Programme sur 4 jours qui va donc nous inviter tous à découvrir ou à redécouvrir des auteurs contemporains et à partager de très bons moments francophones. Partager des moments francophones et partager des valeurs aussi. L'Institut français de Roumanie et l'ambassade de France partagent ces valeurs de démocratie, de défense des droits de l'homme, ces valeurs de construction européenne, de promotion de toutes ces valeurs auprès de la jeunesse qu'ils ont à cœur de défendre, de cultiver et de propager comme on le fait pour la francophonie en général. Toutes ces valeurs sont également, nous le savons, celles de l'association Amis Francs. Et nous les avons et nous les partageons, bien sûr, avec vous. Puisque c'est la grande fête du théâtre aujourd'hui, j'en profite également pour signaler que la région d'Arad et Timișoara est vraiment très, très riche dans ce domaine, parce qu'il y a à Timișoara un autre festival de théâtre qui est basé sur l'improvisation. Vous le connaissez peut-être, c'est le festival de théâtre universitaire de Timișoara qu'on appelle le FIFITU, qui est organisé au mois de mai par le lectorat français de Timișoara, ici. Voilà, alors, je vais m'arrêter là. C'est sans doute un peu trop sérieux pour cette atmosphère de fête qu'on a vue depuis le début. Mais en tout cas, je rappelle, chers amis, que vous pouvez compter sur notre soutien. Et je vous souhaite à tous beaucoup de succès et un excellent festival. Merci.